Nous arrivons ici maintenant dans la lanterne du phare de Corgouan. Vous avez ici devant vous la lentille de Fresnel qui se caractérise par ses échelons. Ces échelons sont des zones géométriques qui permettent de rediriger le faisceau lumineux extrait de la lampe vers l'horizon. En 1823, Augustin Fresnel installe sa première nouvelle lentille à échelons sur le phare de Corgouan. Cette lentille a eu la chance d'être préservée et maintenant elle est présentée dans le musée des phares qui se trouve sur l'île d'Ouessant en Finistère. Pour bien comprendre l'importance de l'innovation de Fresnel, on sait d'après les archives qu'un phare qui brûle du charbon était vu à peu près à une distance de 17 à 20 km. Un feu muni de réverbères, en fin de compte, lui n'éclairait plus que de 15 à 17 km. Un phare muni d'une lentille à échelons éclaire, lui, jusqu'à pratiquement 40 km. Et c'est le double, donc, de la distance habituelle. On voit là l'extraordinaire réussite de l'invention de Fresnel, et c'est le début de la révolution des phares. Pour la première fois au monde, un phare moderne est allumé, c'est-à-dire qu'il allie à la fois la taille, la hauteur et la puissance d'un phare. Et ce modèle-là va être utilisé dans le monde entier. Produit l'énergie lumineuse par une lampe. Ici, on a une lampe à LED qui est rouge et on va essayer de la concentrer dans une direction pour porter le plus loin possible. Alors, ce qui marche pour concentrer la lumière, c'est d'utiliser des lentilles. Lentilles, c'est comme une loupe, hein, c'est très bombé, c'est très lourd. Et donc, Fresnel, lui, il y a 200 ans, a eu cette idée-là, c'est de réduire cette épaisseur de lentille pour la rendre la plus fine possible et qu'elle soit plus facile à utiliser, à transporter, à installer. Donc nous ici, on a par exemple une lentille en verre moulé. Elle a été moulée d'un seul bloc. On l'utilise avec une source lumineuse. Donc ici, elle va venir concentrer toute son énergie lumineuse qu'on a vue tout à l'heure sur tout l'espace dans une seule direction. Et donc si j'augmente légèrement la puissance lumineuse, on peut voir que par exemple, elle va venir se projeter sur le mur ici, comme un faisceau, et cette projection-là, on voit qu'elle est très très bien concentrée. Donc en faisant cela, on permet au faisceau lumineux de porter très loin. Finalement, ce qui n'a pas bougé dans le domaine des phares et balises, c'est de conserver la technique de Fresnel avec ses lentilles à échelons pour concentrer le signal lumineux. Ce qui a bougé, c'est la façon de produire la lumière au centre. La première lampe qui était utilisée, c'était des lampes qui fonctionnaient avec des huiles. Puis ensuite, ça a été des lampes au gaz et vient l'électricité avec les lampes à filament. Et maintenant, on est au LED. Au XVIIIe siècle, il n'existe que très peu de phares en France. Il y en a une quinzaine qui ont été construits ou gérés, soit par la marine pour la signalisation de ses grands ports comme Brest, avec le Stif ou Saint-Mathieu, ou Rochefort avec les phares de Chassiron ou des baleines. D'autres phares sont gérés par des chambres de commerce, comme la chambre de commerce de Normandie, qui a construit le phare de La Hève ou le phare de Gatteville. Il n'y a pas grand-chose, en fin de compte, par rapport à l'Angleterre, qui, elle, possède déjà plus de 35 phares. Il va se passer quelque chose de très important. À la fin des guerres napoléoniennes, Napoléon va décider de confier l'intégralité de la gestion des phares au ministère de l'Intérieur et aux ingénieurs des ponts et chaussées. Parce qu'à ce moment-là, tout est à refaire. Les guerres napoléoniennes ont grévé les budgets
de la France, les ports ne sont plus suffisamment entretenus, il n'y a quasiment plus de flotte militaire, et il faut tout reprendre à zéro, alors que l'Angleterre, elle, est extrêmement puissante et possède déjà une signalisation maritime extrêmement élaborée. À partir de 1814, va être créée une commission des phares qui est composée à la fois de marins, d'ingénieurs, d'administrateurs et de scientifiques. C'est un groupe, en fin de compte, pluridisciplinaire qui va être chargé de réfléchir à tous les problèmes de signalisation, de voir la problématique d'une manière globale. Comment éclairer un phare? Comment construire un phare? Où placer un phare? Et entrevoir un véritable programme de signalisation maritime française. Nous sommes au Musée des Arts et Métiers à Paris. Et dans la vitrine derrière moi, il y a une lentille de Fresnel qui a été offerte à l'Académie des sciences et sur laquelle on peut lire le nom de Fresnel. Alors Fresnel, c'est un polytechnicien, il rentre à l'école polytechnique à 16 ans et demi pendant l'Empire. Il a son aîné qui est aussi polytechnicien et son cadet Léonore, donc trois frères polytechniciens. Donc il rentre à l'école polytechnique, il poursuit après en école d'application aux ponts et chaussées, il rentre au corps des ponts. Et là, il commence une carrière d'ingénieur des ponts en province, au détriment de ses travaux scientifiques, puisqu'en province, il n'a accès ni aux bibliothèques, ni aux instruments qui lui permettraient de poursuivre ses travaux sur les théories de la lumière. Fresnel est connu pour avoir, avec quelques autres, en particulier Young, être celui qui a développé la théorie ondulatoire de la lumière, qui s'oppose, qui complète la théorie corpusculaire qui était celle de Newton, enfin la théorie classique. Donc il fait des expériences pour montrer que la lumière, c'est une onde polarisée, et donc en la faisant passer par des ouvertures extrêmement étroites, elle va prendre des directions qui ne correspondent pas à ce que prévoit la théorie de Newton. En 1815, Fresnel envoie un de ses premiers mémoires à l'Académie des sciences. Il est repéré évidemment par Arago, par tous les savants de l'Académie, et il demande à pouvoir poursuivre ses travaux à Paris parce qu'à ce moment-là, Fresnel, il est en Bretagne, comme ingénieur des ponts, donc là aussi très loin de la capitale scientifique de la France qui est Paris. Alors Arago, qui depuis quelques années est le président de la commission des phares, demande à ce que Fresnel soit affecté comme secrétaire de la commission des phares et chargé de mener des expériences sur les appareils qui produisent de la lumière à cette époque. Donc il y a trois ou quatre techniques à tester, et c'est là que Fresnel va dire « moi j'ai peut-être une autre idée ». La mention des lentilles à échelons par Augustin Fresnel possède une genèse. Il a pu compulser les travaux du comte de Buffon, qui, une cinquantaine d'années au préalable, avait déjà décrit le même principe. Le comte de Buffon, le premier, a commencé à travailler sur la focalisation de la lumière. Il a utilisé des grandes lentilles, des loupes, pour focaliser les rayons de soleil et obtenir ainsi des hautes températures. Il pouvait à ce moment-là fondre de l'or, de l'argent, du plomb, dans des creusets avec l'aide du soleil, et tout le monde était émerveillé par la chose. Buffon avait donc proposé dans ses mémoires et dans des écrits des différents types de lentilles et des lentilles à échelons. Donc Fresnel fait réaliser des panneaux de lentilles expérimentaux avec un opticien qui s'appelle Soleil. Soleil, c'est quelqu'un qui travaille déjà avec les membres de l'Académie des sciences. Donc là, Fresnel a accès à des artisans qui peuvent mettre en œuvre ces principes, c'est-à-dire l'utilisation des lentilles. Entre 1817 et 1822, c'est une période extrêmement active pour Fresnel dans la diffusion de ses idées sur la théorie ondulatoire de la lumière. L'un de ses plus importants mémoires concernant la lumière est présenté à l'Académie des sciences en 1822. Mais c'est également cette année 1822 où il présente son mémoire sur un nouveau système d'éclairage des phares, c'est-à-dire ses appareils lenticulaires. Donc pendant ces cinq années, Fresnel fait à la fois des sciences, on va dire, fondamentales, il développe ses théories, la théorie ondulatoire de la lumière, fait des expériences scientifiques et travaille comme ingénieur pour la commission des phares. Il ne sort très peu, il n'a pratiquement aucune activité, sinon que de travailler soit avec Arago sur la lumière ou soit sur les lentilles. Et tout ce travail use aussi sa vie, et c'est peut-être aussi pour ça que sa vie sera si brève.
puisqu'il va s'éteindre de la tuberculose en 1827. Donc Fresnel avait un jeune frère, Léonore, lui aussi polytechnicien, lui aussi ingénieur des ponts. Fresnel étant malade, il monte à Paris et il va reprendre la suite. C'est-à-dire que tout de suite après la mort d'Augustin Fresnel, Léonore devient le secrétaire de la commission des phares. Et il joue un rôle fondamental. Donc pendant une vingtaine d'années, Léonore va non seulement mettre en œuvre les idées de son frère, développer les appareils de son frère, mais faire construire les phares pour les porter, créer littéralement le service des phares, jusqu'à ce qu'il laisse la direction à un architecte, un ingénieur qui s'appelle Léonce Reynaud, qui lui aussi va continuer à bâtir. Et Léonore Fresnel va lui consacrer plus d'une vingtaine d'années à la rédaction des œuvres complètes de son frère. Donc, de même qu'il n'y a pas de Vincent Van Gogh sans Théo, je pense qu'il n'y aurait pas d'Augustin Fresnel s'il n'y avait pas eu son frère Léonore. Pour nous, Phare et Balise, Fresnel, c'est l'éternité. Et cette optique-là, telle qu'elle a été conçue, il n'y a aucune raison de la remplacer. Et on la remplacera, à mon sens, jamais. Donc, deux apports, un d'un point de vue technique et un d'un point de vue organisationnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la commission des phares a décidé qu'on allait mailler le littoral, tout a été construit sur ce modèle-là ensuite, parce qu'on a placé des équipes qui sont disséminées sur le littoral et qui sont là, prêtes pour intervenir, pour remettre en route, entretenir, pour surveiller que le feu fonctionne bien. Donc cet héritage-là, il perdure. Aujourd'hui, la maison Phare et Balise, elle continue à exister. Dans les phares, on a notre buste de Augustin Fresnel. Pour moi, Fresnel, ça représente l'histoire, ça représente le génie français, l'ingénierie française, qui s'est développé dans le monde entier, puisque les lentilles de Fresnel, eh ben, c'est dans les phares du monde entier. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu le rayonnement de la France et qui est toujours d'actualité. Les Français resteront toujours leaders sur ce domaine tout à fait particulier, constructeurs d'optiques de phares. Eh ben, il y a trois entreprises qui vont rayonner dans le monde entier, qui s'appelaient Henri Lepaute, Barbier Bénard Turenne et Louis Sauter. Ces trois entreprises vont être tellement importantes qu'elles vont produire pratiquement 80% des lentilles installées dans des phares jusque dans les années 1930. Le CEREMA a une habitude ancienne d'innovation dans le domaine des phares et balises. Donc, les optiques de Fresnel, c'était peut-être la première innovation des services techniques des phares et balises. Quelque part, le CEREMA est l'héritier de Fresnel. Et la dernière innovation, qui est également une rupture technologique, ce sont donc d'utiliser les LED. La France a une expérience maintenant depuis plus de 10 ans maintenant dans ce domaine, où on remplace les anciennes sources à filaments par des sources lumineuses à LED. Elles ont, on va dire, un double intérêt. Donc la durée de vie d'abord, quand on avait des sources à filaments, la durée de vie était de 6 mois. Maintenant, avec les LED, on passe à une durée de vie de 10 ans. Un autre avantage, elles consomment 3 fois moins que l'énergie qui devait être utilisée dans les sources à filaments. Ici, vous êtes dans un labo avec des établis, des paillasses, des voltmètres, qui nous permettent de faire ces petits montages-là, qu'on va ensuite venir aller mesurer en chambre noire, et donc en tirer des enseignements pour pouvoir derrière écrire nos cahiers des charges. Et demain, justement, nous avons la visite d'une entreprise espagnole qui a remporté un marché pour industrialiser des sources lumineuses à LED. Notre entreprise MSM est fabricante d'équipements d'aide à la navigation. Et à la suite d'un appel d'offres, on a commencé à collaborer avec le CEREMA pour développer des nouvelles sources à LED. Et l'intérêt qu'on a de contractualiser avec eux pour qu'ils développent pour nous ces sources lumineuses-là, c'est qu'après, ils pourront le mettre à leur catalogue et ensuite organiser la pérennité du produit. Les services n'auront plus qu'à commander sur étagère, comme on dit. Et également, permettre, parce qu'on est fiers de ce qu'on fait, de permettre que la technologie française soit déployée dans le monde entier.